Papa reste avec nous, un joueur écarté de liste de Didier Deschamps, ses enfants. Faites l'événement. Il s'agit de la compétition sportive la plus attendue de l'année, mais également la plus controversée. Dans quelques jours, le 20 novembre prochain, le coup d'envoi de la 22e édition de la Coupe du Monde de football sera lancé au Qatar. L'occasion pour l'équipe de France de remettre son titre de champion, remporté il y a 4 ans. En jeu. Mais un détail très important était attendu depuis de longs mois, la liste des footballeurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la compétition. Une liste finale très attendue, parfois avec beaucoup d'appréhension, en raison de l'augmentation du nombre de joueurs blessés ces dernières semaines. Parmi eux, le joueur N'Golo Kanté, ou encore Paul Pogba, récemment au cœur de la tourmente depuis les accusations de son frère et footballeur. Mathias Pogba. Finalement, après plusieurs mois d'attente, le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a enfin brisé le silence sur le sujet, lors du journal de 20h de TF1. Ce mercredi 9 novembre 2022. Et les amateurs de football sont enfin fixés. Si 25 joueurs ont été sélectionnés par Didier Deschamps, certains, tout aussi connus, n'ont pas été appelés. C'est le cas pour Lucas Digne, jeune footballeur de 29 ans, évoluant au poste de défenseur à Aston Villa, après l'annonce du champion de 1998. Les enfants de Lucas Digne ont immédiatement réagi, avec beaucoup d'émotion. Sur le compte Instagram du joueur, une vidéo de ses enfants, Isao et Ineya, a été partagée. Papa, il reste à la maison. Papa, il reste à la maison, entend-on dans l'extrait vidéo, avant que la mère de famille, Tiziri Digne, ne prenne la parole à son tour. Et maintenant, où va-t-on? En vacances, a-t-elle déclaré. Une nouvelle qui semble donc excellente pour la famille Digne. En revanche, tout changement peut avoir lieu avant le début de la compétition pour l'équipe de France. En effet, en cas de blessure de l'un des joueurs évoluant au même poste que Lucas Digne, ce dernier pourrait être amené à être appelé. Didier Deschamps a donc jusqu'au 21 novembre prochain pour effectuer une quelconque modification sur sa liste des 25. Et ses enfants, de pleurer.